Bonjour à tous, on se retrouve sur le thème de Manor ce soir pour poursuivre nos aventures. On grimaguait contre tous nos petits copains déserteurs qui passent leur temps à se barrer. Donc la dernière fois, on a plein de copains qui sont partis. On a deux clans entiers qui sont barrés. Un avec ces deux villes-là. Un autre avec... pareil. Avec cette ville-là et puis deux châteaux, on en récupère un. Château de l'humeur, on n'a pas vu là. Et là, on a un qui vient de se débarrer avec Chara, c'est Jaculaire. On a le temps de récupérer Jaculaire. Bon, poétique et très très bizarre. C'est tout, c'est comme ça. C'est la nouvelle version du jeu. Si ça compte rester comme ça ou pas, mais en tout cas, là, ça change pas mal les choses. Donc, dans le terme, malgré tout, on a quand même réussi à récupérer pour nous Jaculaire qu'on a perdu. Et qui avait été donné à d'autres vassaux. Non, c'est nouveau et nous. Là, on était du coup. On était là. Hier contre Sedon, oui, puisque sûrement les bataillons ont réussi à récupérer aussi une ville. Hein. Pas nous, mais trois lions. C'est. La évaluation, c'est ça. Hein. C'est amour et trahison. Il avait Ficaron, il avait Seonon, château, un autre château là, il s'est barré de la faction unité. Salut gamin de la guerre! Comment ça va? Moi ça va et toi? On va se faire bon gré malgré avec cette version, on va continuer à s'amuser un petit peu. Bon, on n'arrivera pas à faire les objectifs qu'on s'est fixés, mais on va faire un peu différemment quoi. On s'arrête là, allez! Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper du bâtonnier. Bah, du bâtonnier. Disons-nous un petit peu avec ça. Allez, on va aller ici. On va commencer par Russian. Je crois que ce nom serait plus intéressant. Ouais, on va voir ça qui va sonner. Il y a encore qui s'est barré. Non, mais ça fait. Pas mal. On vient de perdre encore un clan. En 10 minutes, on a perdu 2-3 clans. On a perdu un stream et là, on en perd tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils se partent tous? Bon, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Perdu 3 clans. Oh, c'est débile, c'est non, mais là c'est quand même tellement débile. Les mecs ils se barrent sans aucune raison, on sait pas pourquoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Bientôt il y aura plus que mes fiefs à moi, et puis c'est pas ça. Les mecs ils ont des fiefs, t'as des bonnes relations avec eux, ils se barrent. Et puis sans arrêt là, dès que tu m'en avis, c'est dès que tu deviens un peu trop gros, ils ont codé le jeu pour que maintenant tu peux plus de. Plus devenir trop gros, faut que tu passes ton temps à vassaliser sans arrêt. Et donc du coup à payer sans arrêt pour vassaliser. Ouais, c'est quand même là vraiment un peu abusé. On va quand même essayer d'aller assez au nom. Mais ouais, c'est vraiment n'importe quoi. J'espère que c'est juste un bug parce que là, c'est pas drôle du tout. Hein. Tu peux pas avancer en fait. Tu peux pas avoir non plus recruté sans des clans parce que ça coûte cher donc tu te des clans. Il y a quand même une limite hein, dans ce que tu peux recruter. Enfin bon, c'est tout. C'est la vie. On va faire avec. Y arriver ou est-ce qu'il a changé de faction parce que la dernière fois on l'a vu le mec il a changé de faction hein, 3 fois en 5 minutes t'as la douceur on va regarder
Là, il est presque plus que mon clan là dans hallucinant. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je pense qu'il y a. Devrait suffire. Ouais, le temps rentre dans la ville, si on y arrive. Les gars enfonce. Oh, bon, ils sont allés reprendre le château, c'est bien. Après, on peut trouver un truc. Hein. Il est là pour discuter, discutons. Bon, c'est pour payer 1000 balles, 1 million, et puis que le mec. Du tour après. Bon. On va y voir, il n'y a personne. Le problème ne se pose pas. Tiens, Gabro, tu me diras, est-ce que le son il est mieux, moins bien qu'avant, si tu vois une différence ou pas? Ouais, bah cool. On le fout un. Je crois que là, on a Erduan, et quoi? Mondien, Tractoré, c'est un truc de l'Empire. Ouais. De toute façon, vu que ça change pas grand-chose, leur faction ou pas, ils se battent. Ouais, le son de bah, moi, la voix, quoi. Du jeu, la voix. Allez, on va construire notre petit bélier. Non, on peut trouver. Résonne un peu. Et aussi. On filme ce que je pensais. J'ai changé de. J'ai pris un micro, j'avais un micro casque machin. Et je suis pas convaincu là du résultat du micro, de toute façon. Le but c'est que ça soit mieux, pas moins bien, quoi. Donc, si je vais pas le renvoyer du coup. Bûcher ça. Ils ont construit des catapultes. Ouais, on va repartir. Allez, construisez-moi les trébuchets. On avance. Ouais, on va savoir si s'il y a un gain ou pas. Après, il y avait ce qui me gênait, c'est effectivement un sifflement en plus, machin, des trucs comme ça. Donc, savoir si ça, effectivement, c'est mieux ou pas, tu vois. On va remettre un petit peu de cohésion. Là, il y a des filtres et tout, mais bon, après, je sais pas si la voix est moins bonne. Bref, je sais pas. Difficile à dire. Moi, j'ai difficile, du mal à juger. De toute façon, je vais le tester quelques jours et puis ça me convient. Voilà, c'est l'avantage d'Amazon. Mais bon, ça, je peux le laisser. On peut commencer à ressortir les trucs. Ouais, bah écoute, occasion. Allez, casser tout ça, ça y est, c'est déjà cassé? Ah, je sais pas. On va les casser, on a les deux tours. Si, hein. Allons-y. Oui, c'est le minimum, quoi. Moi, ça soit audible. On va devoir virer les trébuchets. Ouais. Oui, bon, on va laisser ça. Archers!
Merci. Pas grand monde en garnison. Des gros challenges. Après, j'ai l'impression qu'il y a toujours moyen de repasser sur la version stable du jeu si effectivement il est trop gavé par cette histoire de politique. C'est dommage parce qu'il y avait des trucs intéressants. Peut-être qu'avec un futur patch, ils amélioreront un petit peu ça, quoi. C'est à voir. Allez les gars, trouvez-moi un petit peu de défenseur. Ouais, celle-là est bonne. Bon, ça sous-estime un peu l'arc up des fois, mais elle tirait trop haut. Une flèche qui fout là. C'est pas moi qui l'a tué. Allez, on pousse, petit bélier, on se dépêche. Bien la visée. Ça s'approche. C'est pas gentil de me tirer dessus comme ça. On va prendre la tour, allez, et on fout. Bon, on gagne un petit point de tactique, mais pas sûr. Dans cette prix. Ça va les gars, non? Je sens qu'ils vont juste arriver pour me pousser comme d'habitude. Ouais, mais nous on est censé pouvoir casser les cookies là, enfin, progressivement, allons-y. Pas l'idée, c'est peut-être pas le mieux. Sur le lien. Trois goûts. Oh, génial. Allez, on suit. On pousse. Ben voilà, ça se sauve. Ils sont bloqués. C'est con parce qu'on avait un clan. Très bien, monsieur s'est barré, du coup, il ne donnera pas la ville. C'est pour lui. Garde bunny celui-là, bah ouais. Et je peux pas perdre quasiment.
Alors on va retirer ce qu'ils ont mis, pour les oubliettes. On va vendre. C'est pas chef. Voilà. Au niveau loot. Ah, c'est une bonne ville, elle est tombée plusieurs fois, mais il y a quand même des sous au marché, donc ça veut dire qu'elle est pas trop mauvaise. Un petit peu. Vote. Alors, propriétaire de ce nom. Ah bah il nous reste quand même un petit bâtanien, allez. Château, à la ville. Elle fera des sous. Donc, je suis blasé dans les trois clans là qui sont barrés. Mais pourquoi ils sont barrés là, tous en même temps? C'est bizarre. C'est ça que je comprends pas trop. Il y en a un qui se barre là, c'est en même temps. Ok, mais pourquoi tout d'un coup ils ont commencé à se barrer? Bien comprendre la logique du truc. On était à plus de puissance quoi. Et ils sont refaits hein. Du coup forcément l'autre il les a rejoints, le vendien, il a quand même le niveau de merci. Et puis que le clan du patron de Batalion, tout le reste, c'est une bataille. Il y a déjà 436 défenseurs dedans. Donc 364 de milices. C'est ça que j'ai jamais compris non plus, comment les milices des fois pouvaient se multiplier autant. Alors là, il y a du monde à Vérone, mais c'est pas nous. Ouais, tu vas où? Tu vas à Ussank, ok. C'est le projet aussi de toute façon. Bah, regarde, il pourrait le punir dans cette carrière. Yep. Et bien, on va lui faire regretter. Vertine, oh, bah tiens. Diu, les Azeraïs, bah, ça faisait longtemps. Bah, c'est maintenant qu'on a affaibli qu'il y a eu les carrières, forcément. Donc on a trois clans qui se sont barrés. Il va vouloir jouer. On attend, on va plus leur payer les 5000 balles de tribut. C'est pas forcément plus mal. Donc toi, tu vas au sang, du coup, tu as changé d'avis, tu veux plus à Sargot. Je vais à Sargot. Je devrais encore avoir assez de troupes pour toi. Donc les Azeras, ça va. T'as combien toi? T'as 225. Ouais. Ça permet de le blesser. Ouais, il a tombé du sang, je dirais. C'est bien. Il y a quelqu'un, par contre, toi. On essaye la ville vite fait, je pense. Ouais, y a pas de chef. T'es quoi toi? Tu serais pas un mercenaire? Tu serais pas un chef mercenaire? Qui c'est le chef de cette faction? C'est Ménaclis de la main. Donc c'est pas lui. Et Osric. C'est pas lui non plus. Bon, bah du coup. On va taper. C'est pour Aldoric. Bien.
Petit bélier, on va se faire. Attends, avec son avec moi. Dis-moi, cher, oui, tu viens ça à gauche et tu vas. Tu vas les défendre du coup, Usonk. Bien vote qui s'est vite calmé. C'est pas grave, on va les sortir. L'avantage trébuché, c'est. Pense que. Qui augmente les points de vie. En ce temps-là, les autres vont finir de se construire. On n'avait pas vraiment besoin de toi, j'aurais préféré que tu ailles défendre quelqu'un. Peut-être un peu trop gros pour que tu ailles défendre. Ils ont tout pété. Même pour les tours. Même si c'est des murants, je ne sais pas. Casser les murs. Cassés, vous voyez, comme ça. Tant pis. Pas prévu. Virer le mec. Voilà. Plus besoin de trébucher. Là, c'est peut-être pas le même emplacement. Regarde ça. C'est dur. Je sais. Allez, le fil bleu. Mieux péter. Je peux le brancher tout à fait. Le problème, c'est que moins on a de clans, plus ils vont avoir de fief, et plus quand ils vont se barrer, ils vont perdre le fief d'un seul coup. Encore que j'ai la salive. Là, c'est les plans qui se sont barrés. Bien qu'ils vont se barrer. C'était déjà pénible avant. Ça dit. Ça va, ça va. Ça va. Alors, le petit juste de légionnaire, on ne tire pas sur le bas. Bien fait. Bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas l'air de savoir ce que vous faites, non?
Ouais, il est en train de zoner. Toute façon. Il est mis en attaque et qui vers le même endroit. Donc, par là, c'est qu'il est en train d'aller au donjon, le mec. Le Alors, il y a quand même beaucoup de merde. Changement des trucs. Comme ça. Garnison. Et c'est tout. Pillage. Stupide. 195 de prospérité. Là-dedans. Donc on est là. Oh, moi, je peux le gagner. Oui, non. Oui. Ça mourra de toute façon au fur et à mesure, c'est pas très grave. Je sens bête la nuit, mais bon, je peux pas. C'est probablement le clan qui était propriétaire de la ville. On va vérifier, mais je pense que c'était le propriétaire, celui qui s'était barré. On va garder mes clans, mais je pense que ça doit être ça. Cent, 172, 8. Et 100. Bien le clan qui est là. Forcément. Au même niveau clan et mercenaire. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le mec, peut-être, il se barre un peu à tout n'importe quoi, tu veux dire? Ils ont pas récupéré Charas parce que. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire, tu dis ça, ouais. Je comprends. Peut-être qu'ils ont mal codé le truc, et puis du coup, les mecs, effectivement, ils passent leur temps à se barrer. Mais pourquoi, tu vois. On les a gardés un moment là, tous les clans, ça fait un moment là qu'on bataille avec eux. Et tout d'un coup, pouf! Et sur deux streams, machin, tout le monde se barre. Ça faisait un moment qu'ils étaient avec nous, donc je comprends pas trop, tu vois. Mais peut-être que t'as raison, effectivement, c'est un mauvais codage par rapport à ça, et puis vraiment, ils ont maintenant le comportement des mercenaires, ce qui est un gros problème en soi. Hein. Embaucher des mercenaires après, et puis tu gardes toutes les villes. Bon, bah, on a quand même récupéré des fiefs. Et il faut pas. On récupère des clans. Allez. On va attendre le vote quand même. Un peu trop tôt. Un peu de combien de ça fait pas vite fait la tournée des villages. Vertine, oui, bon. L'autre, il a plus de fief que moi, quoi. Et lui, s'il se barre, je vais péter un câble.
Deux villes, trois châteaux, s'il se barre, je pète un câble. Plus de fief que moi. Allez, si je vais faire le plein vite fait. Ah, ça c'est les mêmes blocs dont on parlait au début. Et ça passera du coup. Ah ben là on l'a plus. J'ai dit accepter une fois et finalement là, ça tient. Ouais, je sais pas. Salut Charles, comment vas-tu? Malbizi, pardon. Mais je sais pas, ils sont... Alors, je pense qu'ils ont fait des changements à la con là, sur la politique, tout simplement, et puis... C'est pas pourquoi, quoi. On déteste, mais moi leur test, certains genres de tests, je préfère qu'ils les fassent de leur côté, ça... On verra bien. Il y aura des patchs, on nous dira si c'était normal et si c'était pas normal dans l'histoire. Genre, du coup, on doit faire monter en infanterie. Allez. Jésus. Ils ont déclaré la guerre et qu'ils font bien, sympa. Hein. On paye plus les 5 000 de tribut, c'est tout aussi bien. Attends. Il y a de la boue chez nous, là. Monter à 870. On des troupes de merde, mais c'est pas trop. On les entraînera. Allez, on va repartir. Il va défendre avec 200. Il est parti attaquer Garontor. Regarde en plus en passant. On regarde toujours. C'est vrai. Et tu peux bon, le projet génie. Bon, c'est triste parce qu'on avait nos pieds étaient plus grands que ça du coup. On a réussi à récupérer une partie, mais une partie. Il m'inquiète. Hein. Voilà, il y a trop de trous. Embêtant. Non, bien, ils ont récupéré de Gladys. Moi, on va tomber la Gladys. Lui, on va le laisser jouer. Et du coup, je sens qu'ils sont pétés. Il y a une armée qui s'est fait péter, non?
Oui, non, mec, ça fait péter par les Azeraï. Ils sont bien plus forts que nous. Les histoires. Ils ont mis. Apparemment, ils sont dans un groupe. Ouais. Ils vont tous venir. Ouais. Sauvez les gars. Bon, vous allez vous faire. Ça t'a plu. Est-ce que vous venez avec moi? Allez, tiens, essaye. Ici, les Azeraï. Au groupe. Parce que si c'est eux, ils ont encore probablement les. Oh putain, là. C'est pas trop beau, loin du tout, là. Non, ouais, tu peux te chercher les potes. Venez à moi les débiles. Chez toi tu m'énerves avec ton armée à 296. Tu vas me perdre des gars pour rien. Tu dissous. Et vous allez venir avec moi. 147 aussi. Venez tous. Voir si on peut démonter la. Il va y avoir suffisamment de monde avec le royaume. Mais. Peut-être la quantité, mais peut-être pas la qualité. Allez, non, ils sont en train de crever de faim là, non? Se cacher là. Allez, vite, on les attrape. Allez, casser l'armée. Les enfants. Est-ce que tu peux, je peux vite faire un groupe? Ah, tiens, toi, tu vas venir avec. Tu vas payer pour les autres. Ah mais ça c'est une nouvelle stratégie de l'IA, maintenant les mecs, ils ont peur de se faire attraper, ils cassent l'armée tout simplement. Du coup j'ai réuni une armée pour rien quoi. Je vais peut-être la refaire quand même, mais... Ouais, tu peux faire la gueule. Il y a du monde, hein. On a quand même, on a réussi à en choper un, et on a réussi à choper ceux qui étaient à côté quand même, donc on va pouvoir récupérer du monde. On a tout perdu. Il y a 420 qui vont réussir à se barrer. On a réussi à en choper une partie. Et ça, c'est plutôt cool. Oui, c'est vrai qu'on fait. Italiens ont fait deux groupes de cavalerie pour en mettre un à pied. Peut-être que leur cavalerie est merdique. C'est vrai. Alors après, contre les Azeraï, il n'y a peut-être pas un. Bon, de toute façon, ils n'arriveront pas à lutter contre les Pharisiens. Ça reste toujours viable. On les C'est où ce petit mec? C'est pas loin. Au moins ils ont des petites lances peut-être. Vas-y. Bon, c'est là-bas que ça va se passer. Beaucoup de cavalerie. Mieux, hein? C'est quand même l'un de leurs gros points forts.
essayer de les voler d'ici. Ah, c'est un chef, ça. Il a réussi à passer dans tout le truc sans se faire tomber. Il a surfé sur, sur les boucliers, machin. Tranquille, quoi. Allez, il retente. Des fois, quand même. Eh bien, ça tombe. Je vais attaquer après. Ils en auront marre de se faire botter les fesses, ils viendront. Décide. Allez, on tient les gars, continue à tirer, on tue le plus possible avant d'envoyer l'infanterie. On vous entraîne de toute façon. Allez, il y a du verre, on aime ça. Nous, ce qu'on veut, c'est du verre, toujours du verre. C'est bon pour la santé, pas. Que la cavalerie va servir à quelque chose. À part foutre le bordel. Les renforts de cavalerie, comme souvent. Peut-être. Là, bien ça. Oui. Ouais, les petits bonheurs, voilà, ils se font massacrer. Ils sont allés jouer contre l'infanterie et du coup ils se sont fait massacrer. D'archer de toute façon. Ah, pas tant que ça. Oui, mais non, finalement, c'est la boule qui lâche. Donc il s'étale un petit peu les gars. Oui, c'est ça. Petit cavalier. Oh, c'est un peu. Voilà. Profite-moi quelque chose de propre, là. Arrêtez de vous désespérer. Et par pile comme de merde.
C'est dommage qu'on ait pu choper toute l'armée qu'il y avait. Les 400 watts là qui ça plutôt. Ça c'est souvent après les fins de bataille. Voiture écoute des bruits des plein de troupes autour. Voiture écoute les petits bruits que font les soldats. T'as beaucoup de gars autour de toi. T'as une petite saturation sur la fin de bataille, je vois. Mais ça c'est le jeu. Bon bah ça va. 884, 285, ça va. Bonne opération. Ouais, non mais ça c'est sous. Ça arrive sur certaines maps en fin de bataille, quand il y a beaucoup de troupes autour de toi. Ça sature, c'est le jeu. C'est le jeu qui fait ça. C'est les petits. En fait, apparemment, c'est tous les petits bruits d'armure, etc. Ça fait saturer le son du jeu. Ça, c'est un problème. Et j'ai même pas récupéré. Mais ici, un autre problème aussi, c'est que tu ne récupères plus perso des chefs quasiment. Avec tous les groupes qu'il y avait là, il n'y avait qu'un seul noble que j'ai récupéré en prisonnier. Bon, t'en récupères. T'en récupères pas 15, quoi. Tu vois un gros nom comme ça, là, j'en récupère plus qu'un. J'en ai eu ça. Une seule, quoi. C'était même pas une chef, rien hein, du tout. Si, c'est bizarre. Hein. Et comme ça marche plus d'aller parler aux gars quand ils sont dans les autres groupes, t'es obligé de les amener en prison. Voilà, tu peux essayer que de les libérer, machin, tu peux plus. Bon, lui, c'est pas un chef, donc. Qui est un chef? Bien qu'il n'y a pas un chef qui traîne dans tout ça. Hein. Et Galas. Voilà, tu peux plus tenter de les vassaliser maintenant quand ils sont prisonniers du groupe. T'es obligé qu'ils sont en prison. Ou dans ton propre groupe. Ça, on peut bidouiller vu que c'est un moine. On peut bidouiller le prisonnier. C'est mon clan. Normalement, je dois pouvoir le récupérer comme ça. Et après, je vais pouvoir lui parler. Mon ami, bah oui. Et là, on peut maintenant, là, on a la discussion, parce que autrement, ça sert à rien de pouvoir parler au mec si tu peux plus. Ça, c'est encore un truc qu'ils ont cassé sur un 80. L'une des nouveautés de l'un 72, ils l'ont cassé sur un 80. Ouais, il est content de son patron, bah, au moins on a pu tenter. Du coup, les petits gars, ils ont mieux tracturé. On n'a plus que deux, finalement, du coup, ils devaient être encore avec eux, on a libéré. C'est pas mal. On va pas s'emmerder pour tout qui reste. On a château à prendre. On va aller là. Pas forcément de 20 garder autour de nous, du coup. Le problème, c'est qu'ils sont capables de m'en sortir une grosse armée. Et si je les garde pas avec moi, eux, ils sont capables de se faire péter comme ils ont fait tout à l'heure. Par contre, nous, on nourrit à 1900 gars.
avait pas grand chose en route. Il n'y a pas assez d'argent. Eh ben, on va lui acheter ses olives. Oui, on va lui... pas grand chose, tant pis. Ouais, ça sera pour le royaume, on va dire. Du coup, ceux qui ont vraiment pas beaucoup de coups, je pense que. On va les retourner, mais en fait. Je vais monter un gros groupe parce que. Du monde, mais on peut potentiellement avoir plus de gardes. Allez, gardez ça pour ton le château, c'est sûr. Bon, on va le monde à nourrir. Voilà, c'est déjà un peu plus équilibré d'un coup. Sortir une armée, mais qu'est-ce qu'ils vont me sortir? 53 gars, on monte juste le camp, ça. Faire chier pour ça. Bon, il y a moins de sang, normalement, on ne devrait pas perdre. Comme ça, quoi. Autant de gars que ce qu'il y a dans le château, il y avait dans le château. On mort. Oh, on va baisser de 9. Et ça, sur une ville, tu perds deux gars. Mais bon, du coup, on récupère là. On va tout prendre et je vais essayer d'en dispatcher donc comme les autres groupes d'armées qui sont avec moi. Et puis après, bah, je vais. Comme ça, renforcer les copains. Allez, un niveau numéro moins. Toi, tu te manques plein de monde, toi. Donner des trucs. On va faire un truc. Hop, hop. Comme ça, tu me rends que les meilleurs. Et ça lui fait déjà un bon petit. Non, mais pourquoi t'en prends plus qu'il ne t'en faut? Ah, parce que moi. Je vais pas pouvoir faire comme ça du tout. Par étape, et tout ce qui est tier 3. Le Jawal. Un petit goût déjà. Alors, 5. Voilà, comme ça, elle a son compte. Toi. Ah, tiens. Et je...
aussi avoir fui le tout votre temps. Il va pas nous en non, trop. Ouais, faut le prisonnier, ouais, mais bon, il est rien du tout, je peux, mais un chef. Ouais. Que du tir 5. De toute façon, j'ai encore beaucoup. On va dire que c'est bon pour lui. Une cinquantaine de votes. À toi. Il m'avait dit voilà, qu'il fallait faire comme ça parce que c'était chiant. Est-ce qu'on va du fil du coup? Les gardes de car, ça dégage. Il va falloir ça prendre. De caravane et du garde. Voilà, il reste encore une dizaine de gars de trop. On prend un de plus. Et le j'ai fait faire. Non, non, on n'a pas. Je suis bien, bien. Comme ça, on va optimiser tous les prisonniers qu'on avait récupérés. Faites-moi une belle armée, les gars. Je suis... Salut Mojo, comment vas-tu? On a encore un clan qui s'est barré. Hein. Avec, alors qu'il y a plein de fiefs, on a récupéré une bonne partie des fiefs. Mais ça aurait pas, c'est un enfant, sans aucune raison. On vient de se faire des petits azérails. Ils étaient mal, c'était 1600, plus 1600, 1700, ils ont disbandé de l'armée juste avant qu'on les attrape. Ici. Là, je sens qu'ils veulent la 50. Non, mais j'ai dit que si le gros plan là qu'on a, vu qu'il y a plus de fiefs, qu'il y a plus de fiefs et moins de barres, je pète.
Mais pas l'écran, non. Parce que vous attaquez à 500, moi ça va, il est encore tout en train de se faire, c'est bon. Le problème c'est qu'on ne peut pas discuter du 200 avec lui. Ouais, je me souviens, tout à fait. Voilà. Ouais. Tout à fait, et alors ça donne quoi? Voilà, pas mal, 18 ans, level 25, plutôt pas dégueulasse quand même. Hein. Ça fait un bon petit bourrin. Il n'y a plus qu'à le faire pex. Voilà. Voilà, tout le monde est plus. Et vous allez rejoindre vos copains d'infanterie. Bon, j'ai coupé comme ils ont les blindés de cavalerie chez les Vlandiens. Je la coupe en deux et je fais à pied. De toute façon, vu ce qu'ils font en étant à cheval, autant les mettre à pied, ils sont plus efficaces. Ça fait un bon renfort d'infanterie. Là, il me reste encore 155. Bon, je faisais ça parce qu'à l'époque, j'en avais 500. J'avais 500 cavaliers, j'avais plus de cavaliers que d'infanterie, quoi. Et ils faisaient rien du tout. Ils tuaient personne, c'était misère. On avait décidé de tester, et puis finalement, bah, c'était pas si mal. C'était pas si mal du tout. Et là, même si je les envoie, ils vont même pas être capables de tuer si peu qui traînent. Du temps. Oh, mais oui, c'est plus simple. Ouais, ça va, ça va, ça va. Je disais là, tu me diras pour le son ce que t'en penses, si c'est mieux, moins bien qu'avant, parce que j'ai acheté un micro, mais je suis pas convaincu du résultat, très honnêtement. J'avais mon micro casque, donc il était pas terrible en son. J'ai fait un petit upgrade, mais pas convaincu très honnêtement. L'idée, c'est que ce soit mieux sur le principe. Bah, l'autre était pas mal, mais c'est le problème, c'est qu'il y avait pas mal de cibles manquants sur cette peine-là, tu sais, les. Un peu des fois quand je parlais ça faisait un peu beaucoup ça et je trouvais qu'il y avait beaucoup de bruit parasite aussi hein. Ah, voilà, je sais pas ce que je réécouterai le stream voir un peu ce que ça donne vraiment mais si c'est vraiment je renverrai le casque c'est l'avantage d'Amazon et c'était tu renvoies. Ah oui, c'est ça caverneux. J'ai ressenti. Bon après la pièce n'est pas méga meublée, mais bon quand même quoi. Un petit peu déçu à cause de ça. Allez, on va avancer. J'en testerai peut-être un autre, je commanderai un autre pour tester, voir si c'est pareil ou pas. Et j'essaie, il n'y a pas vraiment de grégoire de faire, après j'ai tout un tas de filtres sur ce là, mais c'est pas vraiment pour améliorer la voix, c'est pour sûr. Mais certains. À voir effectivement si le fait caverneux est moins gênant que le fait de tous les petits bruits parasites qu'il y avait.
Ah bah la cavalerie, ça c'est de la cavalerie, ça. Voilà, ça c'est de la cavalerie intéressante. Tiens, quelque chose. Quoi. Faut être là pour te dire faire les tests. Ils sont là, les c'est. Ah non, mais même, non, il faut être chien, pardon, j'ai pas compris. Non, mais même le Faris, quand tu les joues pas, il finit, hein. C'est très efficace, hein. Donc là, il y a des mecs qui débarquent, c'est fou. En plus, quand c'est les autres qui sont défensifs et pas que t'es renfort, ils arrivent à mettre le coup de la map. C'est du bonheur, hein. Ah, si, ça a chargé, chargé. Et ils arrivent à passer, hein. Pourtant, c'est tassé quand même, hein. Allez, la cavalerie. Alors, on n'a pas eu beaucoup, hein, donc il faut bien qu'il se rattrape un peu. Ah oui, il y a des maps qui sont méga, méga. C'est clair. Quand tu pourchasses les mecs sur toute la map, ça te prend 10 minutes. On sait jamais, sur un malentendu, il pourrait peut-être aussi être le là. Bon, ça se passe quand même, là. Il y a du vert. Et regarde, les renforts sont arrivés derrière. On a des archers là et des renforts qui sont arrivés juste derrière nous. Ils sont en train de faire je ne sais quoi là. Du coup, mes archers peuvent jouer un peu avec. Ils sont à portée. J'ai bien envie d'envoyer les. Les archers, la cavalerie, du coup, les archers peuvent peut-être faire quelque chose. Moi, je mets quasiment juste pas. Ah oui, bah faut mieux parce que ils avaient déjà, ils chargent moins vite et le bloc des fois ils rend pas méga efficace. Mais j'utilise pas tant que ça. Le mur de victoire, là ils sont pas en mur de bouclier, là, ils sont. C'est juste que je les ai compressés pour justement qu'ils chopent les cavaliers qui chargent. Donc quand ils ont réussi à nettoyer un peu les archers, c'est déjà ça. Allez, nous on repart dans ce sens-là. Vu qu'apparemment c'est par là où ça va se passer maintenant. Peut-être en mur de bouclier, ils vont vachement moins lancer les armes de contact. C'est aussi une très bonne raison de les repasser, ils vont disperser. On n'est pas à vous faire tuer contre l'infanterie, ça sert à rien. Ah bah ça fait un bon gros bloc, c'est sûr. Quand t'as vraiment beaucoup de cavalerie, ouais, là, tu les mets bien en mur. Ça pose les choses, vas-y. Bah, vous faites quoi les gars? Vous allez bien.
Ah, il y a les arbres qui gênent, c'est ça? Je peux pas le mettre correctement. Allez, lissez-moi ça. Et tu sais que si tu les mets un mur de cabaret, ils ont tendance aussi à faire moins de lances plantées. Des piquets ou les mecs ont des bonnes lances comme les sergents. Au mur de bouclier, tu vas avoir moins de lances plantées, des pieux, machin, comme ils disent. Et ça, contre la cavalerie, c'est bien. Et après, ça dépend du type de truc que t'as. Les Azeraïs, ils le font pas pareil. Bon, ils sont pas assez longues. Que Miller! Ça va, c'est un bon apprentissage, je dirais déjà. Bien, bien fait pour sa gueule. Je vais pas me embêter. Pas de moi. C'est bien ouvert encore. Est-ce que vous avez récupéré un chef? Jamais. Pas toi. Voilà. Oh, t'as qui? Hulk, Vinder, Akar, c'est que de la merde ça. Passe pas. Monsieur Prindor. Personne. Plus. C'est des mots. Mais toi, t'as pas compris. Mais tout à l'heure, on a testé, mais le mec, de toute façon, il voulait pas discuter. Alors. Factory. Donc tu commences à être bien servi, toi, monsieur Vartine, parce que lui, s'il se barre, franchement, avec tous les fiefs qu'il a, ça craint. On est très en train de remonter en puissance malgré qu'on a beaucoup moins de clans. On était à plus de 10 000 tout à l'heure avant que les deux derniers clans se barrent. Pas les deux derniers, un tiers. Deux autres, c'était la dernière fois. Ah non, on n'est pas bien, hein. Il y a trois clans qui se sont barrés, donc ça nous a fait perdre quand même beaucoup de puissance. On a récupéré une partie des fiefs. Bon, franchement, j'ai pas trop eu le temps de regarder les forums. Puis bon, bah, c'est comme ça. Il y a toujours qui se plaignent pour tout, de toute façon, à chaque fois. Mais possiblement, ça, t'inquiète pas que je ça. Tu t'en es plein, je m'en plains, donc t'inquiète pas que sur les forums, ça t'a queené. C'est quasiment sûr. Déjà que d'habitude ça queen, alors là. Alors, Madame la Vagabonde, commandement, bah disons, elle a bien beaucoup. Oh, du coup. C'est niveau. Et bah, tu vas augmenter la. Ah, mais c'est pas chef de clan, elle est pas chef de clan. Bref. On peut lui mettre personnel, ça va fonctionner.
augmenter la sécurité des villes. Ça fonctionnera. Ce chef de groupe, j'ai rejoint l'expert partagé. Enfin, je vais mettre ça. Bonjour, monsieur, l'air de rien. Ah bah tiens, tu vois, toi. Tu tombes bien, toi. Bon, t'es encore en train de se plaindre de la nouvelle politique du jeu. Savoir si c'est normal ou pas normal, ce qui se passe. Et on disait qu'on se posait la question de savoir si ça queenait un petit peu sur les forums. Et déjà que ça queen d'habitude pour pas grand-chose, mais tu vois là, ça peut queener un peu plus. Le capitaine, lui, il est chef d'armée. Ouais, par contre, la taille du groupe, ouais, ça sera bien. On a encore perdu notre clan tout à l'heure, le mec est là avec deux villes, un château, machin, un massacre. À la base, on devait essayer d'aller à Dungdadis pour essayer de récupérer les villes. Après, c'est vrai qu'on a nos copains Zera et qu'on est en train de jouer avec. Un peu calmé. On recevra un tribut et on peut peut-être donc faire la paix avec les Azera et puis essayer de réquisitionner les villes Batanet qu'ils ont. Batanet, elles n'avaient plus rien, mais comme il y a tous les clans qui passent leur temps à se barrer et puis pour les factions qui n'ont plus rien, hein, du coup ils se refont toujours quelque chose. Et tu vois, ça je comprends le principe, mais techniquement dans ces cas-là, il faudrait que ce soit un Batanien qui va retourner chez les Bataniens, tu vois. C'est complètement dit. Tu comprends pas la logique du truc, quoi. Les mecs qui se barrent avec. Ils sont en très, très bonne relation, ils ont plein de fiefs, tout va bien. Et tu comprends pas la logique. Autant un Vlandien qui se barre avec des vires Vlandiennes pour reformer l'Empire Vlandien, je peux comprendre. Un mec de l'Empire qui en 5 minutes va te faire trois factions différentes en regardant ses fiefs et puis la troisième il les laisse. Je comprends pas la logique, tu vois. Oui, c'est une période de test, mais c'est. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de logique dans l'histoire, quand même, quoi. Et je comprends pourquoi ils font ça, hein, pour que ça soit moins statique, pour que des factions qui avaient plus rien puissent se refaire, que les clans ils deviennent pas trop gros, mais tu vois, tout se passait bien, puis tout d'un coup, tous les clans commencent à se barrer, mais de façon complètement bizarre, tu vois. C'est ça qui est pas top, quoi. Tu comprends bien qu'ils veulent plus que tu puisses faire une conquête totale. Ou alors après, il faut que tu passes ton temps à vassaliser sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et que tu aies une quantité de fric monstrueux. Mais que voilà, tu vas plus pouvoir faire ça. Mais c'est la face, et qu'ils ont mis du coup ce mécanisme-là en fonction, mais c'est le côté logique du truc que j'ai du mal à appréhender, quoi. Le mec, tu sais, en 5 minutes, il va faire trois factions différentes, quoi. Ah, quand même logique, hein. Si tu la connais, moi je veux bien que tu partages la logique. La logique. Ouais, donc on parlait peut-être faire la paix avec les Azera. Oh, bon, pour plus de jusqu'à ce qu'il me ressorte une armée comme tout à l'heure, mais. Oui, bah, je me doute bien que le truc n'est pas fini, quoi, mais. Actuellement, ils ont cassé toute la politique du jeu, quoi. Dans l'état actuel des choses, politique, plus rien à foutre, quoi, finalement. À part pour l'histoire de l'influence pour monter les armées, le reste, que t'es 100 de relations ou que t'es 10 de relations, le mec il se barre de toute façon. Qu'il ait 0 fief ou qu'il en ait 5, ça change rien, quoi.
Non, ça pour. Ah, quoi, les revenus des taxes douanières sont montés 10%, et là, c'est des taxes. Ah, on a dit que c'était les douanes, je crois qu'on peut faire. Ah, disons que, effectivement, c'est par exemple, sachez un clan, il a plus de fief que moi. Enfin, il avait plus de fief que moi. On a perdu encore un clan, là, que j'ai pas fait gaffe, pendant qu'on discutait. Possible, hein. Il y en avait un qui avait 5 fiefs tout à l'heure. Alors, il s'en est fait choper une paire, et puis... Mais c'est sûr que si t'as un mec avec 5 fiefs qui se barre, à un moment ça va. Clan du Deuce. On a un monsieur le clan du Deuce. Donc t'es retourné au château là-haut. J'ai plus trop quoi faire finalement. Ah, tu te demandes presque qu'il faut pas mieux leur laisser quelques fiefs parce que du coup ça bloquera peut-être un peu l'IA sur le fait de te faire se barrer les clans. Vu que j'ai bien compris qu'ils se barraient la moitié du temps pour essayer de refaire recréer une faction. Moi, la mécanique, tu vois, je la comprends, la mécanique, effectivement, qui plus que ah, tu contrôles toute la map, que tu roules comme un rouleau compresseur avec 30K de puissance, machin. Je comprends. Même si ça va frustrer beaucoup de gens, parce que bah, dans l'idée de beaucoup, ça reste quand même de faire une quête totale de la map, quoi. Je comprends. Après, c'est le mécanisme, la façon qu'il a planté, je trouve, qui est dégueulasse, quoi. On va plutôt accuser Osiris. Après, verrons, hein, de toute façon, comme ça va queener, ça doit queener sur les forums, ils feront marche arrière et changeront, vu que ils écoutent les queeners en général. Il l'a tombé du coup là. Ah bah bon. Oh, il est en train de se chasser. Quoi. Il y a quelqu'un qui lui défend, il a peur. Il y retourne. Ah si, il va y arriver. Ça, puis rébellion, ça y est, vache. Ah, bah tant bien, on arrive à jouer avec vous. Oui, c'est ça, attaque méga, j'arrive. Les guys away. Ah, ça me fera encore 303 cavaliers. Non, non, je vais continuer en foutre la moitié à pied. 303, de toute façon, ils font rien avec. On les fout à pied. Pied. Les inutiles. Et vous rejoignez, pourquoi pas, de l'infanterie. Je vais jouer un petit peu avec les enchaînements. Ils arrivent en tuer un, ce serait exceptionnel.
Ça va, ils sont chauds, ils arrivent. Ils ont même pas tué un, toi. C'est inutile, quoi. Par contre, il va se faire chier contre, tuer contre l'infanterie, et ça, ça, ça fait. Ils ont un peu plus de cavalerie que d'habitude, dis donc. Ah bah carrément, oui. Carrément. Bah, s'il y avait un truc qui était pas beau, je disais tout à l'heure, c'est... Le gros, c'est qu'on a l'impression que les vassaux se comportent maintenant comme des mercenaires, tu vois. Ils se barrent un peu quand ils veulent, n'importe quand. Revenez, vous avancez. On parle de troupes blancs, là on parle de plan blandien, avec des pieds blandiens quand même. Donc, dire, vous savez, les troupes de leur faction, les villes de leur faction. Elles n'ont pas empêché, ça n'empêche pas de se barrer. Parce que j'avais annexé toute la Blandie avec des chefs blandiens. J'avais monté mes relations avec eux en les tapant quand j'étais. Ouais. Alors, pas le problème là, des troupes blandiennes, c'est qu'il n'y a plus que des tiers 1 partout. Donc, c'est sûr qu'ils ont un peu de mal à recruter quand même. Ouais, j'ai trouvé bien. Il y a des trucs très sympas, mais il y a des trucs moins sympas. Il y a des trucs qu'ils ont cassés, qu'ils avaient mis sur l'ascenseur, qu'ils ont cassé. Parce que, alors, maintenant, tu peux plus parler. Quand tu parles à un prisonnier dans un autre groupe, tu peux plus tenter de le vassaliser. Il faut que tu le récupères dans ton groupe là pour que la discussion s'engage, parce que autrement ça marche plus. C'est un peu dommage, c'est une mécanique sympa effectivement. Mais qu'ils ont un peu cassé là. En un seul patch. C'est ça qui me gêne un petit peu quand même. Genre un peu avec tes voir, ces derniers temps, c'est qu'ils mettent des nouveautés, hop, un patch après, c'est nouveau, c'est cassé. Oula, crash ou pas crash? Donc ils rajoutent des nouveautés, mais après ça fonctionne plus bien, ils en rajoutent encore. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a peur pour nous. Ou alors, je... Ils sont moins contents, pour la raison que ça... Voilà. Ils sont en train de se barrer, là. Bon, voilà, il y a quelque chose qui fait le game. Ça va finir par cracher. Est-ce que je vais laisser mon côté sur la bataille? Ouais, bon après ça reste quand même un jeu de gestion aussi de troupes. Hein. Ah ouais, voilà, c'est pas ça le problème. C'est qu'ils implantent des nouveaux trucs qui sont vachement bien.
Et puis un patch après, bah, c'est de tout casser. Les tours, j'ai l'impression qu'elles refonctionnent moins bien. Ça fonctionnait bien, et là, ces dernières batailles, des fois, tu revois les mecs, ils redescendent et tout. Donc, j'ai l'impression que ça rebug un peu, quoi, tu vois. Ouais, là, il doit y avoir un truc, une obstruction, je sais pas, quelque chose qui va pas, parce que c'est bizarre. C'est pas le PC, hein, mais les centrales, vous pouvez lire. Hein. Sur les autres batailles, y avait pas de soucis. C'est pas comme s'il y avait 50 000 troupes là sur la même zone. On a fait des batailles beaucoup. Beaucoup plus séquentes que ça. Allez, c'est fini le coup. Et tu dis que depuis longtemps, parce qu'ils sont en train de refaire le code, machin, tout ça, mais ça fait un moment qu'ils refont le code, mais dans ce cas-là, ils arrêtent de remettre des trucs à la con, ils cadrent bien le truc bien propre un bon coup. Et après, ils pourront peut-être avancer un peu proprement, quoi. C'est ça qui me gêne un peu, quoi. On a toujours l'impression que c'est un peu du bricolage. Ah ouais, là, ça merde grave. Hein. Ils finissent la bataille. Oui, je sais bien, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Parce qu'au final, les gens vont queener en queen encore plus. Et ça donne une mauvaise image, tu vois. D'une boîte sérieuse, après, ça donne une image moins sérieuse, tu vois. Dommage. On les a bien ouverts encore. Il faut encore qu'on va saisir des camps, mais j'ai pas beaucoup de blé. Hein. Là, c'est en train de remonter parce qu'on a récupéré une ville, mais. Du coup, les vassalisations, on espère juste après. Ouais, j'ai quand même testé la forge, là aussi ça a quand même changé hein, sur 80. C'est beaucoup plus dur pour monter la forge. Ça monte surtout en faisant les mandats. Tu peux crafter les armes à côté, j'ai l'impression que ça monte pas plus tant que ça. La découverte, effectivement, maintenant est vraiment liée aux armes que tu craftes. C'est vraiment totalement aléatoire. Donc si, ça a quand même pas mal changé hein, la forge. On laisse finir le château, est-ce qu'il va réussir? Il va pas retaper Yas par exemple. Monsieur Quinquin qui est en train de faire une armée. Un peu plus grosse. Ça arrive, hein. Les cuisettes qui sont perdues ici, les mercenaires. Ah, la zone à la cuisette, elle se révèle sans arrêt, sans arrêt. Il n'y a plus un seul fief cuisette. Et même quand c'est des cuisettes qui en est récupérée, de toute façon, ça se rebelle aussi. Qu'est-ce qu'on met? C'est le plus 5 à taille de ton groupe. Je sais.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, Morcombe. Je crois qu'à Morcombe, ça, ils sont rien du tout. Ça, c'est le clan du patron. Oh, que dalle, normalement. Tous ces nobles et pas un seul chef. C'est un peu ça la vie. De toute façon, ils veulent toujours faire la paix avec les Blondiens. Vu qu'ils sont majoritairement des Blondiens chez nous, ils veulent pas faire la paix. Donc. Ouais, ça me plaît. Trop vite. On paye encore eux, par contre c'est les autres qui nous payent. Ok. Ça s'équilibre. Me surveille un peu. Balista. Regarde. Avec les Batania maintenant. Et qui c'est qui paye? C'est pas ça toujours, hein, qui c'est qui paye, hein. La surprise. Bon, j'ai cassé plusieurs armées là qui étaient pas négligeables, donc là on va peut-être ressortir tout de suite quelque chose de trop gros. Attends peut-être de tomber la ville. Ils veulent faire sans arrêt la paix, ils me saoulent. Ils veulent tout le temps faire la paix avec tout le monde. Bon, un paquet de temps, on est obligé à chaque fois d'attendre que ce soit les mecs qui nous déclarent la guerre, parce qu'ils veulent jamais faire la guerre à personne, et dès qu'il y a la guerre, ça y est, il faut qu'ils fassent la paix tout de suite. Écoutez-moi derrière. Oh, okay. On va attendre qu'il y a construit l'autre, on va passer la journée. Allons-y. S'il va tomber, puis s'ils avaient quelque chose d'un peu gros, ce sera des photos. Alors, on va retirer ça.
Ah oui, pour l'instant. D'accord. Ils avaient tout cassé. Allez, c'est parti. Allons-y comme ça. Avec tous les petits blondins qui n'ont plus d'arbre. Ça aussi, ça doit être en option sur la 4. C'est là que c'est le lac. Et non, je sais pas, je sais pas trop. Je vais perdre après la contre. Je vais avoir mes angles de tir. En fait, je vais venir avec les copains ici. Pas de monde à tomber là. Ouf. Chose de plein. Pas grand monde, on va dire, sur les murs, donc pour ça, il ne fait pas grand chose. Rosanna, ça va, il se fait plaisir, hein. Il est triste, hein. Enchaîner les kills comme ça. On va faire un peu de terre parce que c'est un peu des grosses garnisons. Il y a du neuf en plus dedans. Il pique un peu forcément. Ouais, alors là, pareil, qu'est-ce qu'ils vont? Ils hésitent à quoi à droite, à quoi à gauche. La porte et là ça commence à grimper. Ok, bon, celui-là s'il arrête partout, ils ont cassé la porte. Est-ce qu'ils vont enchaîner par la deuxième, parce que des fois c'est plus le cas, hein. Des fois pas moyen de leur faire casser la deuxième porte. Il peut séparer. Bien bloqué. Passer sur le côté. Allez, on passe, on passe. Et on fait...
T'es chaud quoi, mon gars. On va aider un petit peu le banneret parce que c'est pas sûr qu'il s'en sorte, c'est sorti. Quasiment bon, mais faut faire gaffe. Pas des fils qui voient tout ça là. Vas-y, arrête. Juste ici, la résistance. Que vous laissez. Ils sont morts, ça va. Et une bonne garnison, donc ça va. Le spirit, comment vas-tu? Ah oui, bah comme ça, comme je suis une culture azérale, j'ai pas trop le choix, c'est pour faire que pitié. Content, évidemment. Oh, ils disent rien. Évidemment. Ouais, parce que j'ai investi dans un micro classique pour espérer d'améliorer un peu le son que je trouvais pas terrible avec le micro casque. Et ça donne un son caverneux. Donc, je suis pas convaincu du résultat. J'espère juste qu'il y a peut-être un peu moins de bruit parasite qu'il peut y avoir, de sifflement, des conneries comme ça, mais le son est caverneux, ouais. Ouais. C'est le souci. Ouais, mais là, c'était ça. Le but, c'était pas que ce soit pire. Donc, si c'est pire, je pense que le casque le micro va repartir. On testerait peut-être un autre, sur l'avantage d'Amazon, si tu. Et voilà, ouais, on est d'accord. Du coup, on va retirer ce qu'il y a. Alors ça, c'est bon, du tout. Pas. Par contre, on va retirer. On dit qu'ils ont mis là-dedans. Ça c'est tout, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. C'est bien en prison. On va vendre ça tout de suite. Il y a 40 gardes, on va garder tout ça. Hein. Il y a un peu plus. 71 gardes du palais, voilà. Autant, mais voilà, ça sera déjà un peu mieux. On va dire que c'est déjà pas mal. Alors, là-dedans, ça dégage. Si je leur tombe quelques vues, je vais peut-être pouvoir discuter après, parce que pour le moment, ils sont tous contents de leur patron, donc. Ils m'emmerdent.
Bon, là, j'ai suffisamment d'influence pour dire non. J'ai des vies apparemment. Ouais, c'est discuté, hein. Bon, c'est moi qui décide. Alors, toi, t'as 3 châteaux. Non, 2 châteaux. Toi, t'as plus que Revolt. Ville. Et toi, t'as Oxhol. Ouais. On va dire lui. On a 13 prisonniers, c'est pas mal. Va peut-être faire un château du côté, tiens, tu lui dis. Comme ça, ils vont venir attaquer Kiaz, on pourra défendre Kiaz et péter l'armée qui va arriver. Commencer à les repousser un peu. Ils ont déjà chassé, ils avaient envoyé ici parce qu'ils avaient. Ils avaient roulé jusque chez les bataillons, ils allaient chez partout, donc on les a bien repoussés. Monsieur Stevelin, il va défendre. Est-ce qu'il y a qui attaque? Il y a des Azirai, c'est bien, ça? Une armée qu'on n'a pas vu passer. Allez, on va se faire quelques trébuchets, catapultes, des tours, et voilà. Et on surveille que Kika ne soit pas attaqué. Voilà, balancer et on peut tout sortir. Bon, ils sont en train de piller le village, ça c'est pas dramatique. Ah bah ils arrivent. Est-ce qu'on peut vite fait tomber le château? Péter la catapulte. Péter la catapulte durant ce assaut. Péter la catapulte. Putain, on va construire une deuxième. Ça va juste. On va cliquer juste à temps. On se fait le château et après on ira défendre. Et il faut qu'on s'aider le clan pour remplacer ceux qui sont barrés, quoi. Mmh, toi, tu dégages. Toi aussi. Toi, est-ce qu'on te laisse là? C'est parti. Ouais. Alors, il est parti sur le château Azerai. Château Azerai, c'est la clé. Le château.
Qui galère quand même. Oui, va l'avoir. Ah, si tu bouges, déjà qu'il y a la distance, si en plus tu bouges, je perds ma. Ouf, 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 411, on l'a pas one shot, mais pas loin. Maintenant, on est plus loin. Pas mal à cette distance-là, quand même. Comme si c'était des meurtriers, un petit peu. Bon, ouais, pour les sniper quand même. Ouais, c'est loin, hein, pour payer. Ils arrêtaient de gigoter un peu là. On a gagné le niveau, ouais. Ça te prie. Et à ce moment-là, le niveau commence à devenir à faire. Il tire. Pas l'important en super héros, ils arrivent à tirer quand même. Est-ce qu'ils arrivent à tuer quelque chose? Pas ça l'idée. C'est parti. Si tu peux te mettre là pour être. Allez, on peut passer par la tour. Attends, on peut prendre une flèche, c'est ça? C'est comme moi. C'est bon, ouais, ça débarque. Hein. Du monde, d'un coup, je me sens un peu seul.
Il y a des copains. On reste combien là? Deux. Allez, finissez-moi ça. Désolé. 41 morts, ça va. Pour ce genre de château, ça va. Très bien ce que vous avez mis là-dedans. Qu'est-ce qu'on met? On met en poney. En poney, hein. Pas mal, on est pas mal rempli là quand même les trucs. On a des compétences qu'on va aller chercher encore. Vraiment. Ça, on n'arrivera pas à monter aussi loin hein, sans mettre des attributs. Pas loin. Là, on a quoi 0,37? Est-ce qu'on montrait encore l'athlétisme? Endurance qui augmente de 1. Il y a un point ici. J'aurai toutes ces compétences là. Mais il faut quand même aller là. Pas sûr qu'on y arrive jusque là. En charme, est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants? Totalement. Peut-être épée. On va faire ça, épée. Les cactus, bah c'est sympa. Merci de passer dire bonne nuit, quoi. De toute façon, je vais pas tarder. On va aller faire la défense de Kiaz. Ouais, toujours sur les rails, bon gré, mal gré, quoi. Encore un clan qui s'est barré avec plein de pièces. On a puni, on a récupéré. Le clan est en train de s'attaquer gentiment aux Azerai. Et voilà. Ah, ça se porte bien malgré les trois clans qui sont barrés avec plein de chiffres. Il faut pas trop traîner parce que pas grand monde en défense là. Lui, comme il a Kias, du coup maintenant il est renforcé pour avoir le reste. Comme qui est dans la zone, il devient prioritaire par rapport aux autres. Allez, moi ce qui est encore un petit un peu d'azeraille. Et puis j'ai tombé. Il est bon en arc là-dedans. 125, 116, 1. 200, bah oui, un petit peu tenir en arc. C'est logique. Il y a combien là? Ouais, si tu vois, il fout à pied.
Vous allez avec vos copains. Ok, allez. T'as fait quelques tests, alors dis-moi, t'as testé quoi? Ah bon? Et c'est dommage parce que c'était sympa les 4 semaines. Ah, tu vois, donc il quand même. Bon, le seul petit problème là, c'est que les Sturgeons ne veulent pas se battre, hein, et puis ils se font laver. Bah, c'est pas qu'ils veulent pas se battre, c'est qu'ils se font laver. Là, sur ma partie Sturgeon, c'est un massacre. Ils ont quasiment tout perdu. Ils ne peuvent rien faire. Pas que leur troupe soit bête, parce que bah. L'IA Sturgeon est encore complètement débile quoi. Quand tu les joues ça va, mais le problème c'est quand tu es nouveau vassal tu peux pas les jouer parce que non, etc. Et là ils ont perdu déjà la moitié de leur territoire sans que je puisse rien faire. L'économie, bon toujours pas terrible, mais j'ai réussi à faire quelques ateliers qui tournent à un minimum, pas fou, mais qui tournent un peu quand même. Peut-être un peu trop avancé. Ok. Histoire que ça puisse tirer un peu là. Ouais, tue-moi un petit peu les archers. T'es suicidaire, ton gars. C'est qu'il ferait presque, il ferait peut-être des kills, les cavaliers, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je n'y crois pas, Rodrigue. Les archers, sinon, diminuer un petit peu le nombre en face, c'est possible. Cavalerie là sur cette mais là il y a un peu de monde. Allez, coincé, coincé. Ah, ça passe plus. Les barrières sont fermées. Vous pouvez attaquer par l'arrière, ça change rien les gars.
ne passera plus. Il y a ma cavalerie qui tue les cavaliers, Zerai, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas des banailles, c'est pour ça. Ouais, je regarde ce qu'il y a comme cavalerie, mais c'est pas possible. Un peu plus nombreux, mais bon, d'habitude, c'est pas pour autant qui tue. Bon, je crois qu'on va y aller, les filles, hein. Bien, bien, du vert, du vert. C'est bon, c'est bon, vous revenez, vous aussi vous revenez, puis on attend les suivants. Disperser comme ça, ils reviennent un peu plus vite. Voilà, je suis en ligne maintenant. Voilà, ça les archers peuvent tirer un peu par-dessus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient là? Il y a une zone par là, il n'y a pas de zone par là pour sortir. C'est bizarre ça. Un peu plus stratégique. Ah si, ils vont essayer de se zoner par là. Je sais pas où vous allez, mais c'est pas que ça se sauve. Oh, le position. Change de vie. Qu'est-ce qu'ils font, mais ça... dans un trou. Non, mais t'as c'est où un trou. Là, c'est les portes chaudes. Hein. Ils sont mis dans un petit coin, tout c'est assez. Il n'y a plus de cavalerie, il peut. La dernière résistance. Rigolo. Ça va pas les empêcher de mourir, c'est bon. Si, oui, pas loin. Hein.
Dernier résistant aux Azerailles. Ouais, ça. Ils ont fait une jolie repli stratégique pour se regrouper dans le petit feu. Là. Puis là, t'as du paysan. Hein. Paysan qui attend. Qui attend la mort. Bon, ça a du mal hein, pour autant de recul, hein, c'est que. Ça du mal. Tiens. On bien neuf les recrutements un peu partout quand même. Toutes les factions, j'ai l'impression. Les grosses forces des Azerailles. Des gros recrutements, donc ils te reposaient très vite les bonnes armées souvent. Et plus la même non plus chez eux. Le 158, 183. Ça a changé le jeu. Hein. Le mec a fait ça avant contre les Azars. Hein. Après, notre armée est bien entraînée, parce que ça fait un moment qu'il fait des combats partout, donc ça commence à être costaud. Ça fait une paquet d'armées là qu'on leur paye aussi. Hein. Ça joue. Ils ont blindé. Je vais à 157. Pour le fond, pour 157. Une voiture, bah c'est là, c'est les troupes de choc, hein, comme partout. Hein. Oui, c'est plus l'ancien, à la limite, l'ancien chirurgien que. Un peu plus éduqué parce que finalement, bon, bah ils ont des lances, mais ils font pas de lance montée, ils font pas de trucs comme ça. Donc, niveau de reconnaissance. Réduit la pénalité de vision des groupes en forêt de 50%. Ouais, les prisonniers ont 50% de chance de mort si ils ont tué. Donc ça vous permet de garder facilement des prisonniers dans votre groupe. Et il y en a une deuxième pareil qui permet de gagner encore 50%, donc d'avoir 100%. Donc les mecs qui restent là, du tam, éternam, et vous l'autre, elle est pareil, en équitation, il faut monter haut aussi. Voilà, y a la deuxième, elle est là. Mais déjà avec une, ça se barre déjà vachement. Prendre ça. 825 au blindé. J'ai jamais dû monter aussi haut au blindé. Ouais, bon, ça on s'en fout. Hein. C'est juste pour les bandits, les trucs comme ça. On a rien à foutre, un 3% dans ça. Ouais, mais après, ça reste de l'infanterie, hein, ils sont pas très rapides, hein, donc ça devient peut-être un peu compliqué, hein, de faire passer, leur faire faire tout le tour, machin. Après, t'aimes bien, toi, les batailles un peu longues, un peu compliquées, donc quoi. C'est sûr que si tu les fais passer à l'arrière, ils peuvent faire un massacre. Par contre, ils ont pas de bouclier, donc faut le temps qu'ils tiennent. Hein. Ils se fassent pas tuer entre-temps par les archers, etc. Et là, taux de gagnité diminue 20% plus vite. Mais bon, pas trop criminel, il n'y a rien d'intéressant.
il faut qu'ils coupent autour, arrivent derrière. Entre-temps, ils vont se taper des archers, de la cavalerie. Peut-être un peu chaud. Alors, on est bien en prison, les filles? Ah non, ils sont pas prison, ils sont juste. Et pas de chef. C'est tout, c'est tout. Ça va, c'est quoi, c'est le PMK qui est en train de piller avec ses 247 là? Tranquille, le casse-pied. Ouh, pas la vache. 5007, ouais. Avec tous les clans qu'ils ont, bon, il y a un mercenaire. Mais ça, pourtant, il en reste un paquet de villes. Et un petit peu cher, je crois. La mêlée en dispersé. Tu mets les lignes en dispersé d'infanterie quand tu les fais charger, comme ça ils pourront taper. Ils pourront taper avec malgré tout, ils passeront à côté. Si tu les mets en ligne, effectivement, ils vont avoir du mal, ils vont rester derrière, mais si tu les mets en dispersé, ils vont pouvoir s'avancer, je pense, et puis taper. Un truc à test. Bon, c'est vrai, un truc de 4006. Ouais, mais bon, je pense qu'on peut. Bon, on va se laisser là, les gens, par contre, pour ce soir. Déjà un petit stream pour ce soir, c'est pas mal. On se reprendra cette petite aventure un peu plus tard. Je vous remercie d'avoir assisté au stream. Merci à ceux qui regardent un peu plus tard. Et je vais voir ça pour cette histoire de micro. Ça me saoule un peu. Qu'il soit pas terrible. Enfin, que le résultat soit pas terrible. J'écouterai un peu le stream pour voir ce que ça donne quand même. Et autrement, on repassera. Je m'enverrai celui-là et puis on passera sur le micro-casque. Et je encore peut-être un autre pour tester. On verra. C'est le patron qui est en train. Ah non, c'est son fils. Mais il est peut-être devenu le patron. Hein. C'est peut-être plus une kid, le patron. Allez, je vous souhaite bonne nuit. On se dit à bientôt. Allez, bye bye.